C'était des années compliquées pour moi, Arsenal. C'est vrai que j'ai eu quelques bons moments, mais beaucoup de mauvais moments. Beaucoup de personnes me voyaient fini. Maintenant, je montrais que j'étais toujours là. J'ai confiance en moi. Je sais de quoi je suis capable. Dans quelques mois, il va se passer quelque chose du côté de la Russie. Vous pourriez être la surprise du 23e. Je sais pas. Ce sera les choix du sélectionneur. En tout cas, moi, j'essaie de donner le maximum. Ça passe par des bonnes performances avec Saint-Etienne. Et puis, le reste suivra. On verra bien. Non, je n'ai pas eu de contact avec. Non. On a envie de vous entendre. Il y a peu de concurrence à droite derrière Djibril Sidibé, puisque Pavard en Allemagne en ce moment joue en défense centrale. Est-ce que vous pensez que Mathieu Debuchy a encore une petite chance? Il réalise une très bonne fin de saison, mais il part de très loin. Ouais. C'est sûr que sa période à Arsenal l'a vraiment plombé. Mais là, il a l'air de bien se relancer. C'était pour moi un très bon arrière latéral, voilà, qui s'est un peu perdu en Angleterre. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!